Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre 10e jour de Cookmas. Eh, on est encore là, oui, on va y arriver. Alors aujourd'hui, je vous présente ma recette de soumara lafri. C'est du riz aux graines de néré. Voilà, le soumara, ce sont des graines de néré en français, du riz aux graines de néré. Voilà. Et alors, ici, on a tous nos ingrédients. Vous avez la liste des ingrédients dans la barre de description. Vous aurez tout ce que vous voulez là-bas. Et voilà, si vous êtes intéressé, restez scotché. On commence. Alors ici, j'ai mon mouton parce que je le fais au mouton. Mon mouton a été nettoyé avec le jus d'un demi-citron. Voilà, j'ai pressé le jus d'un demi-citron pour laver la viande de mouton. Et là, voilà, je jette le demi-citron, pas à la poubelle, mais dans ma casserole pour bouillir avec ma viande de mouton. Ça va continuer d'enlever l'odeur et donner aussi du goût. Voilà. Donc, on va faire pré-cuire notre mouton. On va le faire cuire, même pas pré-cuire, cuire carrément. C'est une viande qui est très dure, donc bon, ça met un peu de temps quand même au feu pour cuire. Là, on rajoute notre eau, on va rajouter nos différentes épices. Voilà, je rajoute des épices bœuf steak. Voilà, vous pouvez rajouter les épices que vous voulez. Franchement, ce que vous avez dans votre cuisine, vous rajoutez là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, je rajoute aussi des épices mouton. Voilà, et voilà, juste un peu, parce que ça, c'est un peu fort quand même. Et aussi, on va mettre des tranches d'oignons découpées et un peu de sel. Voilà, c'est tout. On couvre la casserole et on laisse la viande cuire jusqu'à ce que on soit satisfaite de la tendresse de notre mouton. Voilà. Après à peu près 45 minutes, voilà, notre viande est cuite. Du moins, ça me convient personnellement. Voilà, donc à vous de voir si votre viande est cuite ou pas, si c'est assez tendre ou pas pour vous. Là, c'est le stock. On va mettre ça sur le côté parce qu'on en aura besoin. Voilà, le citron, on le jette à la poubelle, on ne va plus l'utiliser. Donc là, dans la même casserole, après avoir mis le stock, le bouillon sur le côté, on va mettre de l'huile et on va venir griller notre mouton. Voilà, on va bien le griller, pour qu'il soit bien doré. Voilà, notre mouton est prêt. On va enlever ça de l'huile et on va le mettre de côté et on va commencer à se préparer pour notre riz. Donc pour le riz ici, on va préparer notre sauce. Voilà, on va écraser les deux oignons que je vous ai montrés avec l'ail et le persil et les oignons verts. Voilà, on va écraser tout ce mix avec un peu d'eau au mixeur et voilà ce que vous aurez comme résultat. Voilà, et on va utiliser ça pour notre riz. Alors ici, dans la même casserole dans laquelle on a grillé notre mouton, la même huile qu'on a fait pour griller notre mouton, on va utiliser cette huile-là. On va griller nos oignons découpés et nos feuilles de laurier. Voilà, après à peu près 1 à 2 minutes, voilà, on rajoute maintenant notre pâte qui a été écrasée, voilà, à nos oignons et on va griller le tout encore une fois. Là, on va rajouter un peu d'épices bœuf steak. Vous vous rappelez des épices qu'on avait rajoutées dans le mouton lorsqu'on était en train de le cuire. Voilà, on rajoute un peu de ces épices-là ici et on rajoute du cube. Voilà, après, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas de cube, vous pouvez rajouter que du sel. Donc voilà, moi, je rajoute du cube et je vais mettre un peu de sel aussi. Et là, maintenant, c'est le moment de rajouter nos légumes. Donc, on a nos aubergines et nos gombos et notre piment. Voilà. Si vous voulez que votre riz soit épicé, que vous mangez épicé, vous pouvez écraser vos piments en même temps que le mix qui avait été écrasé au départ. Là, j'ai rajouté du poivre. Mais si vous ne voulez pas que votre riz soit épicé, moi, je ne veux pas. Donc, j'ai jeté mes piments dedans. Et là, je rajoute maintenant mon bouillon. Voilà. Je rajoute mon bouillon. Le bouillon qu'on avait gardé de côté. Là, voilà le mixeur dans lequel on a écrasé notre pâte. Je vais utiliser juste le jus, voilà, de la sauce pour rincer le mixeur et reverser dans la sauce. On ne gaspille rien, on ne jette rien, on utilise tout, voilà. Après tout cela, on ferme la casserole et on laisse nos légumes cuire. Et voilà, nos légumes sont cuits, ils sont cuits à point. On ne veut pas qu'ils soient extra cuits, on ne veut pas qu'ils soient moins cuits non plus. Ils sont cuits vraiment à point, on va les enlever. J'enlève aussi en même temps mon piment
parce que je ne veux pas les écraser par accident et mon riz sera super épicé. Voilà, donc j'enlève mon piment pour le mettre à côté et là on met notre riz. Assurez-vous que tout est au point, le sel, les épices, le goût est au point parce qu'une fois qu'on met le riz, voilà, c'est fini. Donc, corrigez tout ce qu'il y a à corriger. Là, je vous montre un peu la quantité d'eau au-dessus de mon riz, à peu près 1 cm. Voilà, c'est comme ça que je cuis personnellement mon riz, à peu près 1 cm de liquide au-dessus du riz. Voilà. On va laisser cuire à feu doux, fermer et laisser cuire à feu doux. Voilà, après à peu près 30 minutes, voilà à quoi notre riz ressemble. Il n'est pas encore bien cuit. Et voilà, toute l'eau a séché, a été absorbée. Voilà, il n'est pas encore bien cuit. Mais on va faire un trou dedans parce que c'est le temps maintenant de rajouter notre sous-marin. Voilà, donc on va faire un trou, voilà, dans le riz. Et on va rajouter notre poudre de sous-marin et notre poudre de crevette. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi de la poudre d'écrevisse, ça dépend de vous. Ici, j'ai de la poudre de crevette avec de la poudre de sous-marin. On va mettre le tout dans le trou et on va refermer le trou avec le riz. Et on va mettre du papier aluminium au-dessus du riz, voilà, pour couvrir le riz. Et on va refermer notre casserole et laisser continuer de cuire encore jusqu'à ce que notre riz soit complètement cuit. À peu près 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, ça dépend de vous. Vérifiez votre riz et assurez-vous qu'il soit cuit. Toujours à feu doux. Et voilà, on est de retour, notre riz est cuit. Voilà, on va venir maintenant le mélanger. On va vraiment remélanger encore le riz pour bien mixer maintenant le sous-marin qui était dedans avec tout le riz. Voilà, bien mixer, assurez-vous qu'il soit bien fait, tout le riz qui est en bas de la casserole. Voilà, mélanger tout. Et quand on finit, on va encore remettre du papier alu sur le riz. Voilà, on va refermer la casserole et on va laisser cuire encore à peu près 20 minutes à feu doux. Et voilà, après à peu près 20 minutes, notre riz est cuit, notre riz est prêt. Regardez comment c'est beau à voir, c'était délicieux. Ma maison sent le sous-marin comme pas possible. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient à ce repas, à ce plat-là, mais vraiment. Et voilà, on va accorder maintenant de l'attention à notre mouton grillé qui nous attendait depuis. Dans une casserole, on va mettre notre huile et on va faire revenir nos échalotes et notre ail. On rajoute un peu de poivre. Et on rajoute aussi un peu d'épices mouton. Vous vous rappelez, on avait mis cette épice-là dans le mouton quand on était en train de le faire bouillir. Voilà, on va rajouter un peu de cette épice-là dans ce mélange-là. Voilà. On va aussi rajouter un peu de sous-marin aussi ici. Un peu de graines nérées aussi ici. Juste un peu pour rappeler le riz. Voilà, juste un peu. Et on va continuer de faire revenir. Et maintenant, on va rajouter nos persils découpés, hachés. On va rajouter aussi nos oignons verts aussi découpés. Et on va continuer de faire revenir. Et voilà, il est temps de rajouter nos moutons, notre viande de mouton qui a été grillée à notre mix, à notre mélange. Et on va faire revenir le tout. On va rajouter un peu de cube. Si vous ne voulez pas le cube, vous pouvez mettre du sel. Mais moi, oui, mon cube toujours. Mais vous pouvez mettre du sel à défaut de cube. Il n'y a pas de souci. Là, on va mettre de la moutarde. À peu près une cuillère à soupe de moutarde. J'en avais pas assez. C'était pratiquement fini, même fini. Donc, j'ai juste mis de l'eau dans la boîte. J'ai bien secoué et j'ai renversé dans mon plat. On va bien mélanger le tout, on va fermer et laisser cuire juste 5 minutes à feu doux et notre viande est prête. Et voilà, c'est prêt à table. Bon appétit. Franchement, c'était délicieux.
très délicieux. J'ai mis la viande, j'ai servi le riz, j'ai mis la viande au milieu et j'ai décoré aux alentours avec les aubergines et le gombo. C'était délicieux. Même si ma maison sent le sous-marin comme pas possible, mais c'était délicieux. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Merci, j'espère que vous allez essayer la recette. Vraiment, c'était très bon et à demain!